Deux messages du Seigneur. Mes fidèles enfants, vous êtes aimés du roi. Et mon plus grand geste de miséricorde. Mes fidèles enfants, vous êtes aimés du roi. 14 juillet 2013. Parole de Yahushua à sa messagère, Julie Wedby, traduite et lue par Justine. Je veux que mes chers enfants sachent qu'ils ne devraient pas être troublés ou préoccupés parce qu'ils ont l'impression que je ne leur parle pas. J'ai une relation tout à fait unique et personnelle avec chacun de vous individuellement. Et j'utilise des méthodes variées pour vous communiquer mon cœur et ma volonté. À certains, je communiquerai des pensées profondes qui sont similaires au fait d'entendre avec des oreilles charnelles. À d'autres, je parle au travers d'une onction ou une émotion que vous ressentez soudainement et dont vous n'aviez pas idée. Souvent, vous allez ressentir un message venant de moi dans les paroles d'une chanson, un extrait de quelque chose que vous lisez, ou simplement un regard sur la nature, ma merveilleuse création. Cela peut être une gentille parole d'un ami ou d'un proche, ou le regard bienveillant d'un étranger alors que vous marchez dans la rue. Vous voyez ? Je parle de très nombreuses façons, et toute tentative de me catégoriser et me mettre des limites en disant que je ne parle qu'à quelques privilégiés, ce n'est qu'une peur de votre part. Je suis aussi près de vous que votre prochaine inspiration, et je vous vois tous de la même façon. Je ne fais pas de favoritisme avec l'un ou l'autre. Donc il n'est pas possible que je parle, comme vous vous le figurez, à l'un ou plusieurs d'entre vous, mais pas à d'autres parmi vous. Je vous aime tous de manière égale, et il y a toujours un ordre divin à ce que je communique et quand, des saisons pour tout. Le seul cas où je ne pourrais pas vous parler ou vous communiquer mon cœur, c'est s'il y a un péché non confessé dans votre vie. Si vous entretenez de l'amertume, de la rancune, de la colère, du jugement, ou tout simplement si vous n'avez ni charité ni amour pour les autres, cela vous empêchera alors d'entendre mes instructions et ma volonté pour votre vie. Restez donc dans mon amour, mes très chers. J'embrasse tous ceux d'entre vous qui me cherchent de tout leur cœur. Et rappelez-vous toujours, toujours, que vous êtes aimés du roi, le roi Messie. Mon plus grand geste de miséricorde. 16 juillet 2013. Parole de Yahushua à sa messagère, Julie Wedby. Traduite et lue par Justine. Je suis effectivement en train de descendre dans le cœur des hommes. Et je vais me manifester d'une façon qui ne s'est encore jamais produite dans l'histoire. Je m'apprête à me révéler de façon puissante et directement à chaque âme sur cette terre. Pas une seule personne ne pourra contester qui je suis, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est le plus grand geste de ma miséricorde qui puisse être manifesté sur une personne. Je vous confirme ce que j'ai révélé à Bonnie, de sorte qu'il n'y ait plus aucun doute dans vos cœurs. J'ai parlé à beaucoup concernant cet événement, et c'est un seul et même événement. Il vous sera montré ce que je vois moi,
Vos véritables cœurs vont vous être révélés. Vous verrez par vous-même l'état de vos âmes. Pour beaucoup, ce sera une expérience terrible. Et je demande donc à mon corps vestige de se préparer maintenant à servir ceux qui vous seront présentés après que cela ait eu lieu. Je permets ce dernier geste, ce geste d'avertissement, en raison de mon amour infini pour chacun d'entre vous. N'ayez pas peur, mes enfants. Soyez simplement obéissants comme je l'ai demandé. Et veillez à ce que votre maison spirituelle soit en ordre. Quand une âme aura vu son iniquité devant un Dieu saint, cette âme choisira pour elle-même sa destination éternelle. Je désire qu'aucune âme ne périsse. Mais encore une fois, c'est un choix personnel. Je vous le répète, préparez-vous, l'heure approche. Yahushua.